I've been racing maybe since like 7 years old. Back in Chile where I live, my dad was the one that got me into the sport. Je dirais c'est la rigueur, le travail que tout le monde met en place. Voilà, je dirais que la qualité c'est que tout le monde travaille et tout le monde travaille pour qu'on soit au plus haut. Donc voilà. For me, the team is very special. It's like family. Everyone is like really close. Like since the first days that I was in the team, I never felt like it was like something like very new or like awkward. You know, it felt like good right away. So that was very good. Ouais, une situation difficile, c'est par exemple quand on a des conditions boueuses. Il y a toute l'équipe qui travaille dur, que ce soit pour le lavage des motos, entre les manches. Et là, il faut que tout le monde soit bien coordonné pour mettre les motos en état pour les manches suivantes. C'est là qu'on a besoin le plus de l'équipe. J'ai le micro qui est tombé. To stay in shape, mind and body, well, I have a mental coach. Physically, just doing the program that the team tells me, a little road bike, gym, and all that kind of stuff, so it's very important. La condition physique, on la travaille tout l'hiver. On travaille avec l'entraîneur physique. On fait du vélo, de la course à pied, des circuit training, tout ça. On travaille beaucoup pour garder le physique. Et après, pendant les courses, on calme un peu le physique. Les courses, durant l'année, ça s'enchaîne. Donc voilà, on fait un peu moins de physique pendant la période des courses. Mais le physique, on le travaille surtout l'hiver. The importance of good lubricant in the bike. I feel it's important. I'm not a mechanic, obviously, but always a good lubricant in the chain, in the motor, so it all works fine and the bike is fast as it can be, so very important. The bike wouldn't run if it doesn't have oil, and we have Champion that is the best, so. L'importance d'avoir un bon lubrifiant, c'est que ça aide à la performance de la moto. C'est pour ça que j'utilise le lubrifiant Champion, car c'est le meilleur. Ma meilleure course, je dirais que c'est en championnat d'Europe en 2017, parce que c'était des conditions difficiles, boueuses, où il avait beaucoup plu. Et j'ai fait un mauvais départ, je suis parti loin et je suis remonté pour gagner la manche. C'est un bon souvenir, ça a été une course compliquée, mais c'est un bon souvenir parce que c'est la première manche que j'avais gagnée en championnat d'Europe. New skills I've learned since I've been in the team. Good technique with my coach. Been working on that a lot and just trying new stuff and all of that. I've been learning a lot since I'm here. Alors mon circuit préféré, c'est Beach dans le nord-est de la France parce que c'est une texture un peu sablonneuse, du sable orange un peu, avec beaucoup de dénivelé, des montées, des descentes. Et c'est une piste que je trouve magnifique et je me sens bien dessus. Donc voilà, Beach, c'est une de mes pistes préférées. My favorite track is probably Red Bud in the US. I raced Motocross of Nations last year there and it was a really, really fun track to ride. Ha 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 ha.